Bon alors, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo de Partir de Rien, saison 2, l'épisode 8. Voilà, du coup on va commencer tranquillement à botteler ce champ en accéléré. Voilà, j'ai retrouvé une machine qui était chez Bobo, voilà. Du coup j'ai loué cette botteleuse, et puis après on ira ramasser l'herbe avec une machine et la benne, du coup, à l'autre champ, tout simplement. Standing in the middle of the street, standing like there's no more time for me. I could be the one you really need. I will follow you if you follow me. I can show you places you ain't seen. I can take you where you wanna be. I could be the one you really need. I will follow you if you follow me. I will follow you if you follow me. I will follow you. We'll be right back.
control, let's unlock these chains. Loud and proud, no shame, just light them up in flames. It's not a game we play, we make you go insane. The place is on fire, we gotta make it rain. We gotta make it rain. Bon les amis, j'ai fini de botter, du coup on va pas ramasser les bottes tout de suite, là on va ramasser l'herbe à ce champ, tranquillement. Puis le Renault maintenant, il est tout noir maintenant. On peut dire qu'il est bien bien crade. Par contre j'aimerais bien que tu prennes, là on est sur la bordure, du coup ce champ s'en prend pas. Là c'est bon. Hop là, voilà on va tout ramasser tout ça. On va y mettre dans la benne et on va y mettre dans le silage. Je crois qu'il y en a. Les deux sont pleins. Par contre, on va en vider un vite fait. De toute façon, j'ai une petite benne là-bas pour le faire. Voilà, ça va assez vite, hein, franchement. Bon, faites pas attention à la buse, elle traverse un peu la remorque. Mais bon, voilà. C'est pas bien grave. On lui pardonne. À ce prix-là, hein. 10 000 € la benne, c'est pas énorme, du coup on lui pardonne. Par contre, il y a beaucoup moins d'herbes que par exemple la luzerne, le trèfle, par exemple sur culture de production. Mais il y a une bonne quantité en vrai. Hein. Pour une allée, je vais me faire une benne. Ah ouais, en fait, tu auras pas mal de benne quand même. Hein. Tu la vends à tout champ, ça m'étonne pas. Eh ben, j'ai pas fini mon ami. Hein. Ouais, une rangée, une benne, ça fait. Bon, ça va pas tout ramasser, hop là, on sent. Mince, j'ai calé, super. Par contre, ça fait bizarre, il est tout vert maintenant le tracteur. Allez, tourne. Oui, là. Ouais, il est repassé marron. Il est en train de repasser vert. Regardez cette couleur, si c'est pas dégueulasse quand même. C'est dégueulasse. Allez, on est parti, on va vider cette benne. Et qu'on accroche du coup la petite benne massée pour la porte avec une immeuble pour pouvoir vider le peu d'ensilage que j'avais mis dans l'autre silo parce que ça n'avait pas fermenté parce qu'il y en avait un peu dehors, tu vois. Et puis voilà. Je mettra dans le silo, ça devrait bien faire. Je pense que ça va être assez long, du coup je pense qu'on va repartir sans y accélérer parce que ça va être long et chiant pour vous. Si je fais 30 minutes à ramasser ça, bof bof. Du coup on est parti pour un accéléré. Allez, à tout à l'heure les amis. Non. Juste après ça, voilà, on est parti. I'm not made of steel, not invincible. Yeah, they knocked me down, watching me fall. In my darkest hour, I saw a sea of stars. And you raised me up, cause that's who we are. And I won't give up fighting, not even when the world turns to dust. And I am so done hiding, I wanna fly towards the sun.
rushing through our veins, oh, there's no stopping now. The fire within is coming up with flames, time to burn it all down. Through our veins, oh, there's no stopping now. The fire within is coming up with flames, time to burn it all down. Ouais, les amis, on se retrouve. J'ai fini de ramasser toute l'herbe et j'ai eu 250 000 litres d'ensilage, voilà, qu'on a mis à fermenter. Et là, vous voyez, j'ai amené le plateau, le porte-chair au concessionnaire. Et puisqu'on peut le passer en auto-load, c'est 10 000 de plus, voilà. Du coup, on va l'acheter, l'amélioration auto-load pour ramasser les bottes de paille. On va le faire ensemble. Voilà, tout simplement. Par contre, là, pour sortir, ça va être la merde. Quelle idée de mettre les trucs... d'avoir des aussi grandes remorques dans des endroits aussi étroits en même temps. Là. Du coup, j'ai pas mal réfléchi avec le Google 10. Et je me suis dit que... on allait... foutre des radis oléagineux. C'est moi qui ai eu l'idée, hein. C'est moi qui ai réfléchi. S'il te plaît, ne gâche pas mon plaisir, s'il te plaît. Oh là là. On parle comment je t'ai aidé et tout là, hein? Ouais, bah ça va, je te donne un coup de main en échange. Je t'ai donné toute la clé pour ta réussite, mec. Peut-être pas toutes, mais une partie, ouais. Je lui ai dit, tu vends tous tes véhicules, puisqu'il est un peu mal parti, il a que dalle de champ. Il est en train de se faire éclataxe par moi et Loris. Ouais. Bon, Loris, il est pas si bien que ça, non plus. Hein. Ouais, mais il est mieux que toi. Je lui ai dit, tu vends tous tes véhicules. Bon, il a pas tout vendu, il a vendu les véhicules nécessaires, pas tout ce qu'il avait acheté d'inutile, du genre semoir, ben, je sais pas, enfin le reste. Et QV. C'est mort belle pulvée. Voilà, et que le team est coûté que 3000. Tu t'es fait 80 000 ou 70 000 75 000. Tu t'es fait 75 000 et je vais dire avec ces 75 000, tu t'achètes un champ. Et tu te fais de la thune et puis quand tu auras 5 champs, tu rachètes ce matos. Voilà. Sinon, il était mort. Il était foutu. Bon, du coup, retourne à nos brouettes. Oui, on va planter des radis oléagineux. Voilà, c'est machin quoi. J'arrive pas à le dire, c'est bien grave. Et, en gros, dès que c'est sorti de terre, on peut élaborer et on peut planter nos cultures. Du coup, j'ai planté ça là maintenant à l'automne. Et comme ça, au printemps, on va élaborer. Ou il se met avec un semoir cultivateur. C'est le cultif quoi. Ouais, voilà. Et on va semer par-dessus. Derrière notre culture que cette année je vais planter tout en oignon. Ça a coûté cher en semences, mais voilà, c'est sympathique. Ça a coûté aussi. Et ça augmente de 30%. Hein, attends, j'y venais. Le radis oléagineux, enfin machin quoi, le radis quoi, voilà, on évite le mot compliqué, et ben ça augmente la production de 30%. Donc, si on pulvérise trois fois,
ça, c'est 10% par stat, hein, je crois. La pub. Que pour. Du coup, ça fait déjà une augmentation de rendement de 60%. Ensuite, puisqu'on aura la bourrée, puisqu'il n'y a pas de demande de la bouffe, il n'y a pas besoin de la bourrée, ça nous fait 20% en plus. On est à 70-80% en plus. Et puisqu'on n'a pas besoin de chaud, ça veut dire qu'on est à 100% en plus. Ça veut dire qu'on est à 200% de production. Donc si c'est pas je attends. C'est 25% à chaque fois que tu mets de l'engrais. 25%. Donc ça fait 50%. Ouais, mais il y a 3 stats. Et prendre de la chaux. Il y a 3 stats ouais, dans rien. Ouais, bah je sais pas. C'est le mode saison qui rajoute les 3 stats. Normalement, c'est 2 stats. Ouais. Du coup, ça se trouve que ça refait 25, ou alors ça diminue le pourcentage. Bref, on est à plus de 200%, quoi. Non, peut-être pas quand même. Bah, si. La chaux 25, ah la ouais, 10. Non, attends, la chaux c'est 15. Hein. Bah, la chaux 15, et on va dire la bourre 15. Mais labourage en fait, si tu le fais pas, c'est un truc négatif. Oui, mais il faut que ça soit en rouge. Ton champ en rouge doit être labouré, tu sais. Ça le négatif. Ouais. Et bah, nous, ils sont pas, on doit être labouré. Oui, on n'a pas de négatif. Ouais. Coup, on n'aura pas de positif. Bah, si on laboure pas, non. Je vais labourer en même temps quand. Parce que je vais pas prendre du cultivateur, je vais prendre un décompacteur et du coup ça laboure, du coup j'aurai les 10% en plus. Donc voilà, du coup ça fait 200% avec les 30% du radis et les 60. Ouais, voilà, ça fait 100%, du coup plus les 100% de productivité sans rien quoi. Ça fait 200% de productivité. Alors si c'est pas joli. Et mince. Je suis vraiment. En fait, on parle, mais en fait, je suis même pas allé au bon endroit du coup. Je suis revenu à ma ferme comme un con. Je devais m'arrêter au champ, moi. Oh là 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 là. Bon, les amis, on se retrouve quand je suis au champ. Bon, les amis, c'est bon, je suis arrivé au champ. Voilà, du coup, j'ai sélectionné les larges square balles. On appuie sur U. Et c'est parti. Du coup, je pense qu'on a pas mal de voyages à faire. J'ai pas regardé combien il y en avait. C'est le con. Ouais, bon, c'est pas très important. Et aussi, j'ai pris le tracteur parce qu'il tire beaucoup mieux. Hein. Il y a plus de reprises. Sur l'animal, il est quand même très très long à accélérer avec ce plateau. Ce qui est quand même conséquent. Alors, une fois plus chargé, j'imagine pas comment il serait. Plutôt dans le mal, hein, je pense. En PLS. On va prendre ce tas en plein milieu là. Voilà, ça va pas trop mal. Tac, tac, tac. Ouais, par contre, je sais vraiment pas où on va les mettre parce que les seuls hangars à étanches, il me semble, c'est les vaches. Parce que je sais pas que si les hangars du BGA sont étanches, j'en sais rien. Ouais, c'est un tunnel. Oui, mais non. Il y a trop des boîtes à foutre dans un tunnel. Ton tunnel est minuscule, frère. Bah, je l'entends plus grand. Ça coûte cher après. Oh, ça va. Par contre, c'est bizarre, j'ai pas marqué le nombre de bottes en bas. C'est chiant. Bon, allez, il est parti. T'es sur le bon véhicule, enfin, t'es sur le bon truc. Ouais, je suis sur le bon truc. C'est bien. On va faire plusieurs voyages, hein, c'est le but. Du coup, je pense qu'on va se foutre un chargement dans les vaches. Sur deux, ça risque d'être compliqué. Et le reste, bah, du coup, on y mettra dans les hangars du BGA. Si ça dispone un peu, ça disponera un peu, puis voilà. Hein. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Tout simplement. Du coup, je vais vous mettre un peu de musique. Hein. Voilà, on va mettre les connectimes. Je sais pas ce qu'il y a bien comme radio. Marquez votre radio préférée dans les commentaires. Voilà, ça fait peur de mettre des commentaires. Personne ne doit écouter la radio, mais je suis là. Oh, celle-là est pas mal, cette musique.
Voilà, du coup, je vous dis, hein, comme d'habitude, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Et puis allez voir aussi la chaîne de notre ami Technocraft12. Puis rejoignez aussi notre serveur Discord. Voilà. Quand je tourne, voilà, il est ouvert depuis pas longtemps, mais là, quand la vidéo va sortir, c'est-à-dire dans longtemps, on est sûrement en juin. Si vous regardez, on est sûrement en juin. Je tourne, on est pendant le confinement, en avril. Non, mai, c'est mieux. On est en mai. On est juste avant le déconfinement. On est le 8 mai, ça déconfine le 11 mai. Peut-être pas, en fait j'en sais rien parce que c'est l'avenir. Bon, franchement, moi je suis pas si mal en confinement. Ouais, je suis sûr, il y en a qui s'ennuient, mais franchement, moi je prends plaisir à vous tourner des vidéos. Surtout j'ai pris pas mal d'avance, comme ça je serai un peu plus cool après le confinement. J'aurai plus que les vidéos du vendredi et du dimanche. Bon, maintenant, espérons qu'on passe par la porte. On va mettre de l'eau en même temps. C'est cadeau. Allons à la vitesse. Ça passe. Allez, faut voir l'autre. Alors, c'est quoi la zone? Je m'en rappelle plus. Position marqueur. Là, on va monter encore. Ça va pas tout rentrer, hein. Ça n'a pas l'air mal. Faut que j'aille enlever la botte de foin, sinon ça va me faire chier. Tac, et là derrière, est-ce que ça dépasse derrière? Est-ce qu'on va voir une... Ah ouais, on va voir une botte sûrement qui va arriver là. On va voir. On va aller en décharge. Les vaches là, elles sont dans le mal. Genre, il n'y a même plus les places pour les vaches, c'est la place pour les bottes. On va ranger du coup les deux qui sont tombés ici. On va les faire passer par l'autre côté. Je vais pas ici, ça va être compliqué. Voilà, on va ranger un peu tout ça. Pour éviter que ça despawn, c'est bien d'avoir toute la paille qu'on a récoltée. Oh si, franchement, je crois que je vais m'amuser là pendant 5 minutes à ranger tout ça. Je vais faire hors caméra, bien sûr. Comme ça, on pourra foutre un deuxième chargement là-dedans. Voilà, voilà. Voilà, mais c'est pas gagné. Hein. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve, voilà, j'ai tout rangé les bottes, regardez, j'ai tout mis dans l'angle là-bas, j'ai réussi à rentrer 3 de haut, je voulais rentrer 4 mais ça passe pas, du coup peut-être un peu plus loin on passera 4 là, voilà, voilà, du coup, voilà, là je vais essayer de passer un peu plus jusqu'au poteau, le poteau j'arrêterai, voilà, comme ça on pourra toujours passer ici, voilà, les vaches, voilà, ça les gêne pas, hein, on va dire ça, voilà, et puis on va chercher un autre chargement, hein. Allez, on est parti, où j'avais laissé le tracteur en route. Je vais consommer du carburant, hein. Allez, on est parti. Oh, j'ai perdu de la thune. Ah oui, mais oui, c'est vrai, c'est 10 000. J'étais en mode... Oh, j'ai plus que 55 000, là. Ça va pas, là. Et j'ai mis 10 000 dans le plateau, c'est vrai. Tu lagues toujours, notre ami? Bon, je bois, je lague de temps en temps. Enfin, j'ai des grands coups de lag dans une coupe, et ça s'arrête. Allez. C'est pas trop dérangeant. Alors ici, vous voyez ce beau terrain, tout là. Oh, regardez bien, parce que bientôt, enfin l'année prochaine, hein. Fin de l'année prochaine, il y aura une ferme. Et oui. Voilà, je vous montre pas encore le projet, hein. Je n'ai pas fini le projet, j'ai pas terminé de faire la première vidéo de la ferme. Voilà, voilà.
moi, il faudrait trop que j'achète un Karcher. Celui-là, vraiment, c'est vraiment trop crade. Le Renault, on sait même pas que c'est un Renault, tu vois. Ah, hier, je visitais ta ferme. Enfin, tes animaux, quoi. T'es jamais venu? Ouais. Arrête. C'est vrai. D'accord. Ok. Oh! Par contre, c'est chiant ces petites branches là. Abusé, je vais bloquer. Je viendrai faire un petit tour une fois que j'aurai fini de la bourrer. Là. Ok. Bah, moi, j'ai encore pas mal de jobs. Hein. Aussi, il faudrait. Oh, si, t'inquiète pas. Faudrait que je descende des boîtes à Romain. Qui m'en a acheté. Combien il en a acheté? Bah, je sais pas, il m'a pas dit. Pour l'instant, je vais remplir mon étable et je vous demanderai s'il me reste. Parce que je pense que j'en ai encore deux chargements là dans le champ, je pense. Je sais pas. J'attelle la poteuse pour voir combien j'ai de bottes. C'est ce que je vais faire. Comme ça, on verra combien il me reste de chargement. Voilà, voilà. Il y a toujours la moissonneuse là que je dois emmener à Romain. Bah, tu dois venir chercher. Voilà. Alors, on va voir combien j'ai fait de bottes. Ça fait presque 3 chargements. Du coup, là, je vais encore en mettre un dans mon étable et le dernier, ça sera pour Romain, je pense. Hop là, ça marche pas. Ah, mais je suis pas sur le bon jeu. Bon, bah voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, à vous abonner, à activer la petite cloche et à aller voir la chaîne de TechnoCraft 12. Voilà, ça fera toujours super, super plaisir. Et puis, on se dit à très, très vite pour le prochain épisode. Allez, salut, salut!